Bon bah salut temps fort, salut YouTube. Alors ce qui est beau c'est que vous voyez que avec ça, vous voyez que mon cadre de stream c'est le cadre de Zelda 2. Vous voyez à l'interface. Donc aujourd'hui la suite de notre mode spécial sur Zelda 2, Life is Meaningless. Alors vous le savez, hein, Zelda 2 on le connaît par cœur, mais on le connaît tellement par cœur que le jeu de base maintenant on le connaît. On le connaît et vraiment on a envie de souffrir nous. Alors Wizra, je vais te montrer, regarde. Tu vas comprendre c'est quoi qui est spécial. Regarde bien. T'étais un asset de Megaman? Ah, pas tant. Non, non, non. Salut chaton! Oh, chaton est là! Chaton, c'est la suite de Zelda 2. Ah, il y a des bandes noires sur les côtés dans ce jeu-là? Qu'est-ce que cette merde? Ah bah non, l'écran est plein ici. Bah, tout va bien. Alors ça, je l'ai pas fait exprès. Ça, je l'ai pas fait exprès, par contre. Comment tu vas, chaton? Bienvenue! Bon, il faut que j'aille faire le donjon 3 et tout, ça va être un peu compliqué. Oh non! Wizra, non! Oui, chaton, oui. Ah oui, il est tellement dur qu'on se fait one shot. Et c'est terrible. Ok, j'ai déjà fait. J'ai joué en off pour me mettre un niveau d'attaque supplémentaire. Je suis niveau 6 d'attaque et croyez-moi que... On le prend, le niveau d'attaque. Ah d'accord, tout va bien. Ah, j'ai failli être très très mal à l'aise. Et surtout que là, chaton, on est dans un mode qui fait que je ne peux pas, je ne peux vraiment pas, hein. Je ne peux pas me faire toucher. Si je me fais toucher, je décède instantanément. C'est genre génial. Mais bon, ce mode nous apprend que Shield est un sort incroyablement utile. Parce que Shield, en fait, permet qu'on ne se fait pas one shot totalement. C'est pour ça que c'est ou presque. Vous allez voir avec cet ennemi qui va certainement me toucher. Même pas. Zeldo trop fort! Zeldo fort! C'est Zeldo fort! Évidemment. Hein. Évidemment. Hein. Pourquoi faire bien quand on peut faire de la merde? Pour le mieux. Ah, ben regarde, regarde. Voilà, déjà. Hein. Allez, donc Life One. Hein. Life reste à One parce que bah on se fait one shot quoi qu'il y arrive. Ou presque, comme je l'ai dit. Il n'y a que Shield qui me permet de tanker un dommage. Et encore, hein, c'est quand le jeu le veut. Oh, j'ai cru que je pouvais taper vers le haut! Parce que oui, Link, il est débile dans ce jeu. Oh, le con! Oui, il s'est tapé vers le bas, mais c'est pas tapé vers le haut encore. C'est deux bottes différentes, ça. Il s'est pas tapé vers le haut. Aïe, aïe, aïe. En même temps, c'est Link, c'est Zelda qui se passe avant Breath of the Wild, donc tu m'étonnes qu'ils soient un peu neuneux. Plus que d'habitude. Allez, donne-moi une fée alors j'en ai rien à foutre. Ah bah écoute, fallait bien que ce jeu ait des points forts. Quoi, 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 c'est la tombe du re! C'est la tombe du re! Mais y'a rien de... Non mais, quel jeu de merde. Quel jeu de merde. C'est vraiment le pire jeu. Regardez ça. Vous voyez l'écran où je suis? Voilà. Voilà, c'est parce que j'ai eu une rencontre pile dans le... pile dans la case. Et il s'en foutait que c'était la tombe du roi. Et il s'est dit, ah non, non, c'est un cimetière, c'est un combat. Enfin, le jeu, il est rincé quand même. C'est le jeu rincé. C'est, d'accord, tout va bien. Donc je vous spoil, là, on va save state comme des connards. Hein.
Je vais save state quand j'aurai toutes mes vies avant le donjon. Par contre. Donc voyons, c'est pas totalement one shot quand on a le shield. Voyez, on prend juste 4 coeurs. C'est juste que les dégâts sont extrêmement exagérés. Pardon. Oh, pas toi? Va-t'en. Allez, let's go. J'espère que vous aimez ça. Bon, j'ai un carré de moins. C'est pas grave. Les petites boules à pique, les petites boules à pique. Qui one shot pourtant. Pourquoi je fais ça déjà? Ah oui, pour souffrir, c'est vrai. J'ai oublié le motif. Non, mais je vais faire des safe states dès que j'aurai toutes mes vies dans le donjon. Promis. Promis safe state. Promis. Je safe state à chaque room où je safe state. Je m'en fous. Rien à foutre, rien à foutre, rien à foutre. Faut pas que j'aille par là. Oh, c'est vers le cimetière d'abord qu'il faut que j'aille. Allez, viens. Non, pas le cimetière, pas le cimetière, pas le cimetière. Oh. Arrête! Ah oh, oui, mais c'est ça, c'est un PTSD, Mario 74 Extreme Edition. Mais les sensations sont assez similaires. Hein. C'est cette envie de tout arrêter, mais à la fois de continuer. C'est bizarre. Mais je l'ai dit à AD, je veux au moins le compléter de niveau Retro Achievement. C'est-à-dire que je veux faire tous les RA de ce jeu, je veux tous les faire. Mais pas sans save state. Je le sais que j'y arriverai pas de toute façon. Mais je veux tous les RA de ce jeu. Tous les RA sont très. Les RA de ce jeu sont extrêmement simples. Il suffit de finir le jeu et de bestie les boss. C'est tout ce que le jeu te demande en termes de Retro Achievement. Finir le jeu. Non mais quoi? Bouclier Link, bouclier. Bravo Link. Mais visiblement ça marche pas à chaque fois. Alors save state sur la route du donjon, c'est ça qui va se passer. Allez, je m'en fous. Non. C'est bon. Le truc fait des boomerangs. Oh. En vrai, il faut que je fasse des kills un peu. Hein. Sinon, je vais pas. Mais arrête! Je vais pas avoir 1200 XP en esquivant tous les ennemis. Hein. Aucune confiance dans ces boules à pique. Bou 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 la pique. Bou 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 la pique. Bou 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 la pique. Ça va, chaton? Oui, mais chaton a disparu! J'ai Zelda trop fort, m'a-t-elle dit? C'est un RPG à la base. Ouais, bien sûr, c'est un RPG. Bien sûr, c'est un RPG. Mais qu'il est con. Ah, il était coincé dans le rocher! Mais je le refais en off avec AD. On l'a fait sur GB. Je suis mort. Non, je suis pas mort. Non, ne saute pas en même temps que moi.
Je suis très mal, j'ai pas de magie, j'ai pas de vie. J'ai rien. Mais... Attends. Oh le jeu baisé. Ah. Non, non, moi je ne l'imagine pas. Déjà qu'il a pris la cam de 64, on a déjà envie de crever. Vais-je réussir? Oh non, j'ai raté le saut. J'ai raté le saut. Putain, le hack aurait pu être sympa et au moins de filer 9 vies, hein. Il aurait pu filer 9 vies au continu quand même. Bon, à safe state, hein. Je vous spoil, je vous dis qu'on va safe state. On va safe state, on va safe state, on va safe state. Du-di-di-di-du-du-du-du-du-du. Comme des connards, comme des connards, comme des connards. Non, pas le sim. L'écran safe. La tombe du re. La tombe du re. De toute façon, si jamais tu safe state, JDG aussi, safe state, calmez-vous. Oh, le Fairy qui prend toute la magie. Quoi. Oh! J'ai eu de la chance qu'il part ça. J'ai eu très peur, le bouclier était pas full vraiment devant là. Ça fait peur. Mais tu te rends compte? C'est bon! Et on est au donjon, on a toutes nos vies. Et pas mal. Pas mal! J'ai monté cette vidéo. Qu'est-ce que vous insinuez, Marala? J'ai déjà fait du montage. J'aurais dû utiliser live, je suis complètement débile! Débilus! Allez hop, on save 7 à chaque salle, hein, je vous préviens. En vrai, je pourrais le tuer, il donne 100. Mais je vais voir si j'ai assez de points à la fin pour atteindre le 1002. Normalement, oui. Je sais. Ce n'est qu'une plaisanterie. D'où il vient derrière moi? D'où il vient devant moi? Ah, la boule! Bon, on laisse. On laisse. La... Je la reload si jamais. Je la reload si jamais. On accepte ce play. Ouais, reste là, reste là. Reste là. Parfait. Ces boules à pique qui deviennent les ennemis les plus dangereux du jeu en One Hit KO. Très impressionnant. Ah, parce que si la pierre me tombe dessus, c'est la mort également. Hein. Faut imaginer que vous jouez un bonhomme super fragile. Link, encore plus antique. En vrai, je pourrais tenter de le tuer. Impressionnant. Impressionnant. Oh, bah excellent. D'où, qu'est-ce qui s'est passé, Link? Tu ne tiens pas à la vie, en plus d'être con. Et pourquoi tu as fait ça, Link? Pourquoi, Link? What? Ah, le rayon en toc, bien sûr, j'avais oublié. Oh, mais tu viens, là, allez! Je le savais qu'il allait le péter. Link de Zelda 2 ou Link de Skyward Sword? Aïe 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 aïe! Un gros débat effectivement, parce que dans Skyward Sword, Link il est quand même un peu handicapé aussi. Hein. C'est difficile, c'est vraiment difficile comme question, Wizra. Oh, j'ai cette tête.
sur cet écran-là, on commence à connaître. Alors, moins que lui, il fasse des blagues, petit prankeur, là. C'est très difficile. Je préfère ne pas me prononcer sur cette question. Et là, tu vas voir que je vais faire la run qui va être magnifique. Je vais pas save state une seule fois de tout le donjon. Ça va être magnifique, tu vas voir. Ça va être l'essai. C'était l'essai, quoi. C'était un sac sale, hein, tant qu'à être là. Ah bah non, c'était pas l'essai parfait. Ouh. Ok, je sais qu'elle va tomber là, du coup. Passif, mais c'est une gueule de con. 650-50 pour moi, Wizra, parce que je n'aime pas. Je n'ai aucune sympathie, en fait, pour ce Link. Non! Et on reprend de là! Quelle cruauté! Ah, les rochers tombent pas forcément au même truc, mais c'est magnifique ce jeu! L'aléatoire est dynamique, il n'est pas fait quand tu rentres dans la pièce! Sur le cul! Et encore, le donjon que je fais là, c'est facile! Hein. Ça là, c'est très facile ça! C'est très facile! Comme dirait JDG! J'aurais préféré qu'il ne le soit pas. J'aurais préféré que ce ne soit pas le Link originel, franchement. Sans de faire un multivers avec Link. Oh, let's go, j'ai safe stage, je m'en fous. C'est bon. Par contre, j'ai totalement baisé ma façon de monter, alors... Bon là tu sais que c'était ici. Lui ça fait déjà deux fois qu'il te baise. Hein. Bon. Alors si je vais en haut j'ai une clé. Combien de clés moi? Une. Je peux skip la clé. Mais j'aimerais en skip une autre plus tard. Vous voyez que c'est possible. Vous voyez que c'est possible à faire. Mon dieu, j'ai cru que t'étais bleu. Ah! Arrête! N'empêche, je suis sûr que les devs de Zelda CDI, ils sont inspirés de Zelda 2 pour faire leur Link. Ça ressemble vraiment beaucoup. Et c'est aussi du tap pour faire des actions dans le jeu. C'est incroyable. T'as l'impression qu'ils ont pris la base, pas de ce qu'il fallait, ils ont pris la base de Zelda 2. Oh, Zelda 2, il était trop bien en vrai. Trop cool, Zelda 2. Tellement bien. Tellement bien réalisé. Non, mais là, tu m'as encore en aggro, t'es sérieux là? Bah, attends. Mais vraiment? Meurs, tu me. Non, pas moi, je parlais de lui! Bite de merde! Il s'appelle une. Et c'est une bite! Voilà, meurt, parfait. Vraiment, l'ennemi s'appelle Beat, quoi. Beat et Bot, c'est pas bon moi qui l'invente. Bon, je sais pas quelle couleur et quoi. Alors là, par contre, tu vas me faire plaisir, tu vas shield. J'ai pas shield. Non, mais regarde XP, c'est bon, je vais être correct pour la fin du donjon. Alors. Ok. Voici le boss de Dark Souls. Voici Dark Souls. Là où vous dites ça va. La hitbox. Ah. Ça va, je suis niveau 6 d'attaque, sinon ça va la vie? Merci. J'ai le radal.
Quel enfer! Cassons-nous! Ouais, tu peux partir, la bite. Tu peux partir aussi, toi. Pareil, même tarif. Non, mais viens, viens! On part de l'autre côté, tu fais ce que tu veux. Ah oui, mais lui, il est là! Hey! Hey! J'aurais pas dû aller chercher cette magie. C'est bon, tout va bien. Tout va bien. Eh, hey, tout est bon. En vrai, c'est pas si. Je me débrouille pas si mal que ça. Hein. En vrai, pour l'instant, c'est bien. Hein. C'est pas mal. Franchement, j'ai envie de vous dire que c'est pas mal. J'ai plus de clés, mais j'en ai rien à battre. Oh non, non, je m'en fous, la clé là. Hop là, allez, voilà. J'ai que 1000? Ah, il y a un sac d'XP là. Oh non. On va s'éteindre ici parce que ça peut être très dramatique. J'ai combien de vies? J'ai deux. Ah, j'ai toutes mes vies encore. Ah, avoir su, j'aurais pas fait tant de save state au final. Je pense que sans save state, je l'avais. Ouais, mais eu là! Attends! Il faut un peu de répit aussi. Ok, c'est l'heure du boss. Parti. Il y a une box éclatée déjà, ça commence bien. Yes. Ah, la meilleure musique, hein, Zelda 2 OST, incroyable. Là, j'en ai rien à foutre. Scoo! Allez, let's go, viens. Et laisse-toi faire. Est-ce que je me fais toucher? Non! Oh! Pourquoi? Attends, je peux le faire sans me faire toucher, je crois. C'est pas possible. Faudrait que tu sois de l'autre côté, mon gars. C'est pas possible, mais c'est incroyable à quel point il tire vite. Non! Dégueulasse. C'est pas possible. Ce n'est pas possible. Je l'ai eu, hein, je l'ai eu. Mais la portée de ton épée est misérable. C'est incroyable. Franchement, à chaque hit, je sauvegardais, hein, je pense. Mais Link! Non! Link! Mais c'est pas possible, à chaque fois que je veux m'avancer, il ne s'arrête jamais en fait, c'est... Mais il s'arrête jamais! Il tire tout le temps! Je me suis trompé de touche, je crois. Alors rassurez-vous, d'ici quelques instants, nous serons prêts. Non! Non, pas l'échec! D'accord. Mais, ah oui, c'est vraiment aléatoire à chaque fois! C'est incroyable! Le truc ne s'arrête jamais, quoi.
Ah, il est mort là. Je vais l'avouer. Je vais l'avouer. Mais c'est pas possible! Mais tu peux venir là? Ah, le jeu complètement rincé quoi. Eh bien, ramène-toi là. Mais ne fouille pas! Je veux te tuer en dehors de l'écran? Bah non! Bah, c'est quoi cette débilité encore? Je veux t'avoir! Je veux t'avoir, moi! Ah, c'était mieux avant quand même. Ah bah oui, bien sûr, mais oui, mais lui il me touche, mais oui, lui il a le droit. Juste failli devenir fou, mais tout va bien. Alors la question, pourquoi tu fais ça, Zeldo? Je sais pas. Je sais pas. Non, pas la grosse rencontre! Bon, niveau 7 d'attaque, je devrais taper. Attends, attends. Il revient, lui? Pourquoi il revient? Bon, en tout cas, je l'ai one-shot maintenant. Salut, Lucilia! Oh, t'as raté le donjon 3. On a fini le donjon 3 de Zelda 2. En no hit, hein, bien sûr. Totalement en no hit. Hein. Ça peut se connecter 3 fois que j'ai dans la location. Ah! C'était sur mobile, hein. Ouais, c'est ça. Allez! À partir d'ici, le jeu se transforme en sort de jouasse. Là, il va y avoir de la jouasse. Là, je vous le dis, là, la jouasse, on va la sentir. Je vais quand même reset le jeu, en fait, ne fût-ce que pour... Ne fût-ce que pour repartir en hardcore, en mode sans save state, on sait jamais qu'il se passe un miracle, en mode... jamais, ça va être. Je sais jamais que le donjon d'après, j'arrive à le faire sans save state. Avec la route qui est encore plus longue. J'ai jamais sauvegardé. Parce que c'est vrai que dans le jeu de merde, ça sauvegarde pas automatique. C'est l'époque. Savez-vous ce que cela signifie? Vous savez ce que ça signifie, vous savez. Non, 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 je refuse. Tu sais, je sais pas c'est quoi la value de... Thank you.
Ah oui, c'est vrai. Ça me fait peur quand le jeu fait pouii en mode y a plus rien. Je sais pas ce que ça veut dire. C'est bon, ça a fonctionné. J'ai réussi à faire que le donjon soit terminé quand même, en ayant bidouillé la mémoire du jeu. L'avantage des jeunesses, c'est qu'ils sont faciles à comprendre dans leurs données. Du coup, j'ai trouvé la valeur pour avoir le donjon considéré comme étant terminé. Et donc, j'ai été le terminer, voilà, tout simplement. Et j'ai été modifier la valeur de la RAM et le jeu a explosé. Bon, par contre, je n'ai pas. Je n'ai pas le radon, on va devoir aller chercher quand même. Ça c'est une certitude. Seulement je pouvais exploser. Ah, Wizra! Vous en espérez trop! J'ai bidouillé la valeur et le jeu est devenu injouable. Voilà. Donc on va y retourner, mais on va juste aller. Non, mais je l'ai fait le donjon, Lucidia. Je suis pas un tricheur. Puis bon, j'ai plus mon niveau d'attaque. Au final, j'aurais dû me le mettre d'ailleurs. J'aurais dû mettre hein, mon niveau d'attaque à 7. J'ai oublié. On tue à pied again. Aïe, 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 aïe. Ça a l'air d'être une tâche complexe. Hein. Très complexe. Bon, on va juste chercher le radeau et on se bat. Ça vous va? Et je vais monter mon niveau d'attaque aussi. Attendez, on va aller le faire tout de suite. Attaque. Voilà! Attaque 7, c'est bon. Je regarde quand même qu'il n'y ait pas de. Non, non, y a pas, il dit pas, y a pas, j'arrive pas à trouver ce qui gère que j'ai les items. J'imagine qu'il y a pas, c'est pas répertorié ici. Eh bien, écoutez, c'est très triste, mais je suis niveau 7 d'attaque, c'est déjà très très bien. Comme si j'avais vraiment eu mon niveau 7 d'attaque et que j'avais fini le donjon et que je reviens juste parce que je l'ai pas, parce que j'ai pas eu l'item. Sauf que c'est pas vrai. Voilà, vous voyez? Oui, attaque 8000. Comme si c'était rien passé. Incroyable. J'ai l'impression de déjà vu quand même avec ce donjon, c'est très bizarre. Je sais pas d'où ça vient. Ça fait longtemps. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam pam. Pam pam. Fallait bien que le jeu ait une musique de bien. Non, en vrai, l'Overworld aussi, il est bien, le thème de l'Overworld. Et on finira pas le jeu en une soirée, hein. Il va falloir continuer à s'en affliger, bien sûr. Bon, bien. Tant qu'à plus être dans ce mode, en mode hardcore, autant l'assumer jusqu'au bout. Je sens que ça vous fait plaisir, cette boucle musicale. Je sens qu'elle vous fait plaisir. Alors, le saut est possible, hein, croyez-moi. On peut sauter de 4 cases. Voilà. Vous voyez, on peut sauter. 11h30 de stream. Ouh, s'il y a la marathonienne! T'as fait quoi de beau en 11h? Je suis curieux.
Bon, par contre, on va pas se retaper le truc l'infini là. Ouais, bah, attends, attends. Rire, rire. Grosse confiance, hein. Normalement, il va pas me one shot. Yes. C'est bon, j'ai le radeau. J'ai le radeau, j'ai mon niveau. Tout simplement. J'ai une clé en plus, j'ai une clé en rab. Ça, c'est parfait. Bon, bah voilà. On va encore reset l'émulateur. Et c'est la dernière. Normalement, on n'a plus à faire ça. Hein. On n'oublie pas. Wizra, rappelez-le moi. Hein. Il faut que je sauvegarde. Faut pas que j'oublie de sauvegarder quand je finis un jeu. Poser les verres de Shantae. Ah! Shantae. Ou Shantae, je sais pas comment on dit. Ça me dit quelque chose ce jeu. Je peux dégager le gros monstre. Ah, le monstre il est juste apparu. Quelque chose me dit que la mémoire du jeu a dû morfler un petit peu. Le monstre est apparu juste à moitié. Là, peut-être qu'on va avoir une copie personnalisée. Et que le jeu va se mettre à glitcher. J'ai pas très confiance en ce que j'entends en tout cas. Bon, alors attention, la quête de cette ville est incroyable. Le jeu est pas très beau en plus. Est-ce que c'est juste moi ou Zelda 1 était plus beau? Donc elle a soif, on va à la fontaine d'à côté lui donner de l'eau parce qu'elle est conne. Voilà. Voilà, 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 voilà. Ce sort ne sert à rien. Moi je compare à Dana, merci Lucilia. Bon, il coûte quand même 30. Quelle bite. C'est un sort qui sert vraiment à rien. Hein. Le fire, ça sert à air. C'est incroyable. Ça te permet d'avoir des projectiles constants. Mais bon, vu qu'on se fait one shot, bon, on aura un projectile constant. Je suis parti un peu loin en accélérant l'émulateur. Allez, c'est reparti. À partir d'ici, on refait des save states. Hein. Il n'y a aucune confiance. C'est jamais, parfois, il te touche de façon mystique. Donc, j'ai préféré assurer. Ok, cool. On est tout de suite sorti. Les écrans de féerie, décidément. Le jeu est généreux. Non, pas la rencontre pile avant. Non, le jeu salaud. Le salaud. Bah oui, mais oui, mais bon. Juste avant d'arriver dans le labyrinthe, quoi. Oh, quelle merde. Bon, il faut sauver l'enfant. Oui, on doit sauver un enfant. Alors, je sais plus s'il y a un seul écran ou s'il y en a deux. Il n'y en a qu'un seul. Touche-moi pendant que... Vas-y. Une hitbox très claire, hein. Je pourrais limite être joueur et tenter le labyrinthe. Ah. Ah. Il
Non, non, pas par là. Crois-moi que j'en aurais bien besoin de ce réceptacle. Je pourrais avoir l'objet. Je peux aller dans le palais et avoir l'objet quand même. Et je ferai le boss plus tard. Je peux faire ça. Viens! Non mais... Ben, t'es laid, t'as rien pour toi. Dégage, Zelda 2. T'es vraiment moche! Voilà, c'est le seul écran de combat que je dois faire dans cette pyramide de con. Enfin, ce labyrinthe. Nous y sommes. Ah, j'ai pas appris le coup vers le haut, par contre. Ça, c'est assez terrible. Ah, j'ai pas le coup vers le haut, je ne l'ai pas appris. Il est dans la ville, j'aurais dû l'apprendre dans la ville. On va aller vers la droite pour aller vers l'item. Ce donjon est très simple. Droite item, gauche boss. Et vraiment, c'est comme ça qu'il est. Vraiment, il n'y a rien de plus. Bon, le problème, c'est que je pourrais pas le finir. J'ai pas le sort Reflect. Donc... Bah, ça fait réfléchir. C'est le sort de ça fait réfléchir. Donc bon. Je pense que je vais tenter... Le 1002 d'expérience, là, par contre, j'y crois difficilement. Hein. Le 1002 d'XP, là, ça se peut que ce soit complexe. Ah! Raté. C'est pas grave, c'est pas important. C'est juste pour une clé. Je la skipperai. Maintenant. Non mais la bouboule, t'es sérieuse de venir? Bah oui, tu viens pile quand je. Oh, quel maudit jeu. Non, c'est bon. Non, hein, pas de rire, là. Ganon, ta gueule. Hein. Ta gueule, Ganon. Joseph State. C'est possible, mais ce saut, mais c'est. Ah! Et je suis sûr qu'il y a des hacks de Zelda 2, j'ai vu ça existe. J'en ferai un jour. Non, merci pas Wizard. Mais je suis sûr que les hacks de Zelda 2, ça doit être des sauts comme ça tout le temps. Ça va être magnifique. Avant que t'aies le sort jump. Ouais, meurs. C'est bien. Je regarde si ça change vraiment dynamiquement. Putain, c'est vraiment dynamique! C'est incroyable! Je trouve ça extraordinaire. Je trouve ça extraordinaire, pas bon. Allez, viens, suicide-toi. Mais meurs! Oh, et puis une merde. Non, mais viens, mais viens, viens, viens. Bah oui, mais c'est pour ça que je ne voulais pas. Oh. C'est pour ça que je voulais pas y aller. Oui, c'est bien la raison pour laquelle je ne voulais pas y aller. Ce que je dis. Je veux pas des frises, les Mulan ne commence pas. Hein. Commence pas vers tes blagues. Hein. Une blague d'émulateur! Aïe! Le feu mauvais! Bon, je sais peut-être comme un fourbe. Attends, es-tu sérieux que t'es en train d'envoyer un truc à gauche pendant que je suis en haut de toi là? D'accord. D'accord, en fait je suis condamné quoi. C'est bon, au revoir. Hein. Bonne vie, hein, bonne continuation, hein, le machin. Monstre de merde, voilà. Alors là, on en a un autre, mais il y a lui, il y a le crâne qui vient se mêler de ce qu'il regarde pas. Au revoir.
60. Oh, j'ai une item. Oh, j'ai une item. J'ai un item. Oh oui, j'ai un item. Bonjour, vous, ça fait longtemps. Ah ouais, je lui ai montré mon anus. Je m'étonne qu'il a aimé ça. En vrai, ça va, ils sont pas si durs à esquiver que ça. Facile. Vous voyez le visage de la joie? Ah oui, mais non, mais là, j'en ai marre. J'en ai marre, on n'est pas dans Dark Souls ici. Putain, Dark Souls, quoi. Le jeu trop dur, lololol. Je vais pas mourir. Non, mais pas moi, toi. Die, Demon. Marche dans les flômes. Salut, pseudo. Zelda pas content, exactement. Je suis en train de jouer à Zelda 2, pseudo. Jusque là, ça va. Il faut le faire sans jamais se faire toucher. Par contre, ça donne v'là des points. J'ai envie de partir. Je suis mal dans ma peau. J'ai envie de partir. Il y a toujours un slow pour me voler. Ton sourire. Ah, si quelqu'un là, cette ref-là, ne parlera à personne, Zelda. Attends, j'ai les bottes, hein, on est d'accord, j'ai sauvegardé. Hein. J'ai peur. J'ai tellement peur dans ce jeu, t'as tellement peur. C'est un jeu qui fait peur. Hein. Zelda 2, c'est un jeu d'horreur. Hein. J'espère que tu vas bien, pseudo. J'espère que tes R1 se passent bien. Si, c'est le même. C'est le même. Ah, t'avais regardé la rediff. My bad. C'est le même, là on continue, on a fini le donjon 3, on essaie de faire le 4, on essaye, j'ai dit... Oh non, il y a des moustiques! Ah, on va mourir sur cet écran. Voilà, là, bien sûr. Pilililu, pilililu, pilililu. Alors c'est l'heure. C'est en l'heure. Ah. Okay, je comprends, je comprends. Regardez ça. Un cœur. C'est bien ce dont on a besoin pour survivre dans ce monde de merde, croyez-moi. Bon, on va aller vers le... Le jeu a sauvegardé que j'ai sauvé le divin enfant, on est d'accord. Hein. Pas que j'aille dans le village pour rien. Je prends. C'est une vie, je prends. Je prends la vie. Une vie. Je vais être trop gentil. Aïe, 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 la grosse rencontre qui fait masse. Salut Café Inéco. Oh, non, Café Inéco, je vous ai regardé. Comment tu vas? C'est quoi au cas One Hit KO? Tu viens de le voir. Je vais toucher une fois, je meurs. La seule façon de ne pas mourir d'un coup, c'est d'avoir le sort qui double ma vie. Sinon, je prends tarif. Je remplis un tarif. Ouais, voilà. Mais moi, ça va bien. C'est le fun, ouais, comme on dit. Donc là, je conditionne le jeu. Enfin, pour avoir des rencontres qui sont moins pénibles en théorie que les écrans de base, mais là ça a l'air d'être tout aussi terrible finalement.
Parce que cet écran-là, je refuse. Donc vu que le jeu est très bien foutu et que c'est un système de damier, bah, j'ai juste à attendre qu'il y ait une rencontre qui vienne en haut. Et je vais pouvoir éviter l'écran. Je vais l'échanger en fait. Je vais prendre une bataille au lieu de l'écran imposé. Non, je veux pas faire cet écran-là, le jeu, tu n'insistes pas. Je ne le ferai pas. C'est terrible. Je vais y arriver, hein, je vais y arriver. Mais est-ce que vous voulez pas... Ça vous tente pas d'apparaître en haut et de venir vers moi? Déjà que vous passez à travers les rochers. Yes! Nous arrivons dans la ville. Quand on arrive en ville, ma chambre est très dure. L'air viril, mais on fait peur à voir. Alors, j'ai plusieurs choses à faire dans ce village de mort. Première chose, apprendre que je peux marcher sur les toits, tel un voleur, tel Aladdin finalement. Et aller dans cette cheminée, tel un tuyau de Mario, tout simplement. Et obtenir ce sort incroyable, le sort Reflect, qui est le seul moyen de vaincre le boss du donjon 4. Donc ça y est, maintenant Link, parce qu'il est très intelligent, a appris qu'il peut mettre son épée vers le haut. Bravo Link. Zone de la conscience en stream musical avec toi. Aïe! Légère Trudeau, légère Trudeau, légère Trudeau, légère Trudeau, légère Trudeau, légère Trudeau, légère Trudeau. Évidemment. Bon alors, c'est quand, madame? Monsieur. Ah! Votre... Est-ce que j'ai sauvé votre enfant? Tu vois, un héros. Ok, parfait, parfait. Je suis un héros, j'ai gagné. Ça va, le jeu sauvegarde qu'on sauve les enfants. Michael, il est génial. Michael approved, il retient qu'on sauve les enfants. Reflect! Magie renforcera un bouclier. Pas totalement, hein, mais c'est pas grave, hein. C'est-à-dire que c'est bon. J'ai plus de vie, on est d'accord. Ah oui, de toute façon, quand je fais continue, je reprends quand même de là. C'est, je suis baisé anyway. Finalement, quand tu fais cet écran-là, tu ne peux plus revenir en arrière. Tu es condamné. Condamné, tu as fait de la merde, bah assume ton choix, mon connard. Oui, mais t'inquiète pas, Lucilia, bon leurre qu'à toi, je pensais que t'étais déjà en leurre. Des bisous. Pas la grosse rencontre. Ah! Casse-toi, ne pas t'approcher! On a quasiment tous les sorts, il nous manque encore deux sorts. On aura plus tard, après le donjon 5, donc c'est pas avant longtemps. Peut-être pas aujourd'hui, hein. Combien de temps que ce stream a commencé? 1 heure. 1h10. Mais quand même. Le temps passe vite quand on s'amuse, hein. Surtout quand on doit faire deux fois le donjon 3 parce qu'on a dû sauvegarder. J'espère que le jeu il a bien retenu, il a bien fait, que la modification mémoire que j'ai faite, elle a bien marché. Que je dois pas faire le donjon 3 derrière. Longueur dispensable devenue obligatoire. Comment ça? Quelle longueur? Et voilà, le labyrinthe, c'est comme ça qu'on le fait quand on a l'objet. C'est une très bonne méthode. Franchement, je pense que sans save state, je peux réussir à faire le boss. Le boss n'est pas très loin, en fait. Étant donné que, comme je l'ai dit, ce donjon-là, c'est à gauche t'as le boss, à droite t'as l'objet. Le chemin vers qui mène au boss n'est pas très long, de mémoire. Ah, il coûte cher, Reflect! Aïe! Mais je pense que j'en aurais besoin d'un petit peu de Reflect. Ouais. Ça, c'est des détails qu'on reconnaît les meilleurs jeux. Il coûte cher, regarde, il me prend 3 barres de Magic. Une chance que j'en ai 7. Donc là, on va se balader un petit peu.
Ouais, c'est très très cher. Et encore, c'est pas le plus cher, hein. Life et Fairy 60, hein. Genre, le jeu n'a pas le temps. En même temps, je suis Magic 4. Vous voyez mon niveau de magie? Le Magic en haut, c'est au plus. Mon niveau est élevé, au plus ça me coûte moins cher finalement. Donc je suis juste à 4 et c'est pas un niveau fameux en vrai le niveau 4. Comme jump là, c'est 32, mais je vais avoir toute ma magie bouffée en deux salles. C'est génial. On parie combien que lui il vient me voir? Oh! Non, non, non! Ça pour rigoler! Je vais t'avoir! Oui, bravo Link! Tu es un véritable héros! Le héros du dimanche! J'ai une clé. Putain, gauche ou droite? Il me faut de l'XP, hein. Il me faut de l'XP. Oh, ça nous dit rien qui vaille. Je save stage. D'accord, pourquoi là ça a pas compté pour beaucoup? Ok. C'est pas beaucoup, hein. Qui donne 20, c'est pas grand chose. Je suis pas stressé. Mais oui, il vient me voir! Il vient dans moi, mais il vient dans moi! Il me rentre dedans! Il vient dans ma bulle privée! Il rentre dedans, il s'en fout! Il a rien à foutre, le truc! Secours! Secours, quoi! Mais le machin, il me rentre dedans, quoi! Ça n'a pas de bon sens! Ah, t'es dégage, toi! Non mais dégage! Il est où le magicien alors? Je l'ai vu, hein! Il revient pas? Prends contre un mur, mais il n'en a rien à battre, vous voyez ça, ce non-respect! Secours, quoi! Oh oui, venez! Non mais pas dans moi! Pas dans moi! Je save state. Je suis désolé. Je suis désolé, je ne peux pas. Tu viens? J'entendais des coups frappés contre un mur. Et j'entends vraiment des coups frappés contre un mur. Il y a peut-être un fantôme, hein. Y a-t-il un fantôme? Ah, c'est pas des coups pour dire ta gueule, parce que bon, je suis calme. Je crois. Est-ce que Lady elle est en train de taper contre son bureau là, en ce moment? Ou parce que ça m'inquiète, il y a des bruits là que j'entends. Et normalement, c'est très bien insonorisé, donc si j'entends des bruits contre les murs, c'est vraiment que soit ils sont forts, soit ils sont vraiment pas loin. Ah, il disparaît trop vite le machin. Bon, allez, va-t'en. Dégage, immondice. Il n'y a qu'un seul que j'ai vu. Il n'y a pas d'autre. Extrêmement déçu. Merci Albitz pour le follow. Bienvenue à toi. Je suis en train de me rendre compte que j'aurais pas assez d'XP pour. Mais j'ai encore une vie. Ok. Bon, on va se dire que c'est bien. Dégage. Ah, j'ai plus assez d'XP là.
Il me faut de l'XP, il me faut de la magie ou je m'en sors plus. Hein. Ah, en plus, je l'ai même pas eu! Ah, d'accord, lui, il donne de la magie quoi qu'il arrive. Il faut que j'aie la magie. Il me faut la magie. Il me faut la magie! J'ai... Ah non, j'ai encore une vie. Ah. C'est bon. J'ai 3 barres de magie, tout va bien. Ah, avoir su, je me serais pas cassé le cul. Avoir su, je me serais pas emmerdé, là. Donner une grosse magie, le machin. Aïe, non! Tu arrêtes, hein. Bon, j'espère que le boss donne beaucoup d'XP. Hein. J'espère qu'il donne au moins 200. Je pense que oui. Je pense que oui. On va arriver au boss. Vous avez vu, le boss, il est incroyable. Vous vous souvenez des magiciens? Bah, c'est une sorte de magicien, mais version un peu plus vénère. Vous allez voir. D'abord, c'est impressionnant. J'ai pas assez pour live. Voilà. Et vous avez vu? Vous l'avez vu le boss, hein? Voilà, impressionnant. Hein. Attention. Esquive la balle! Esquive. Ah, t'as pas esquivé, hein? Bah, dommage. Bon, il y a une technique, faut se mettre à droite. Faut prier qu'il vienne jamais te voir. Faut vraiment prier. Mais en vrai, j'ai comme une envie de le bestide. J'ai pas mis les sorts. C'est un petit peu Pong version extrême. Magnifique! Facile! Pas de magic du coup. Et voilà, et là on s'amuse. Et maintenant, nous allons avoir un choix à faire. Un choix important. Je peux dire. Soit on prend attaque 8 pour faire très 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 mal. Soit on augmente sa magie pour que les sorts coûtent beaucoup moins cher. Mais beaucoup. Genre beaucoup moins cher. En mode magique, là je peux mettre 1002, je peux mettre 1005, je peux mettre 2000. Je vais prendre facilement 3 niveaux de magie, quoi, je crois. Je pense qu'il faudrait augmenter sa magie. Je pense qu'il faudrait augmenter la magie. Je pense qu'il serait judicieux de monter la magie pour qu'elle coûte beaucoup moins cher. Parce que là, voilà, là je peux la monter beaucoup. Voilà. Voilà. Ah, je peux monter encore. Ah oui, j'ai life. Voilà, bah, life, je m'en fous en vrai. La jouissance, quoi. Ah, c'est fini? Ah bah d'accord. Par contre, ça veut dire qu'il me faudra au moins beaucoup pour me passer Magic 8. Bon, bah voilà. Je vais sauvegarder. Et là, vous allez voir, les sorts vont coûter beaucoup moins cher normalement. Vous voyez maintenant, c'est 24 reflect. Perry, c'est 40-50. Tu vois, là, jump, c'est 12. Voilà, ça a beaucoup. Ça a fait un petit peu de ménage, on va dire.
Non, pas les trucs. Les insectes! Voilà. Rendu là, ça ne sert absolument à rien de continuer. Hein. Fais toucher avant d'arriver dans le donjon. Donc life 4, ça ne sert à rien. Je me fais bien one shot. Vous voyez que life is meaningless. Hein. Vraiment, cette stat ne sert à rien. Normalement, life dans le jeu Vanilla, ça augmente ta défense. C'est vrai que tu prends un peu moins cher. Mais pas beaucoup. Voilà. Bon bah on continue. Toujours plus loin, toujours plus haut, toujours plus fort, comme disait l'autre. 21h46, je pense que je vais faire ce donjon là et après on va en rester là. Ce sera très très bien. On va être content. Normalement je devrais avoir assez d'XP par contre. Parce que c'est beaucoup d'XP du coup le Magic 8 qui me coûte. Ça devrait aller. Ok. C'est parti pour le donjon. On va faire des self-state évidemment. C'est parti pour le donjon de la douleur. C'est vraiment un donjon très très douloureux, le donjon 5. Voilà, ça ne coûte plus que 2 carrés et demi. Alors que je reviens en arrière, il y a une clé à prendre. J'ai plus de clé, hein. J'ai plus de clé. J'hésite vraiment à prendre juste l'item du donjon et aller chercher la clé magique qui me permettrait de ne plus jamais avoir à prendre de clé. Parce que la clé magique, c'est clé infinie. C'est comme Zelda 1, c'est la même merde. Non, je les aurais pas. Je le savais. Je le savais. Mais si je prends juste l'objet, c'est pas très grave. Oh non, pas vous. Oh, vous, là, vous disparaissez, les machins. Les sacs à vomi. Ouais, mais Zelda 2, c'est vraiment un jeu très difficile, Café Neko. Encore plus dans un mode qui fait que tu te fais one shot. Pourquoi j'ai fait ça déjà? Nous sommes juste au début du chemin. Bon, bah tant pis. Hein. Regarde. Non, mais tout. Ne dégénère pas d'ennemis. Gauche. Ça va que j'ai fait le jeu plusieurs fois hier. Je me rappelle près du chemin. Alors attention à cette ennemi là. Cette ennemi là il est assez terrifiant. Il fait très peur, il disparaît très très vite. Mais il donne beaucoup d'XP. C'est le monstre qui donne le plus d'XP de tout le jeu, il donne 200. Et je ne sais pas pourquoi d'ailleurs. Non, le feu m'a tué! Quel dommage! En vrai, je m'en fous, je vais juste aller. Il y a tellement de merde qui peuvent arriver sur le chemin, c'est incroyable. Alors là, tu vas save state clairement. Voilà, il faut que j'ai cette clé là-haut. Hein. Comment je fais pour l'avoir? Bah, je me fais pas. Je me prends pas des caillasses sur la tête déjà. Je dois monter. Je dois tout simplement monter en haut de la structure là qui va se construire. Voilà, ce n'est pas une blague. Hein. Je dois vraiment monter là-haut. C'est comme ça que les concepteurs ont prévu que tu prennes cette clé.
Bon, il faudrait peut-être qu'ils arrêtent de faire tomber des roches, des blocs juste là où je... Oh là! Je suis dedans, le jeu! Merci. À un moment donné, là. Bien gentil, il y a des fucking... Non, je suis mort après! Bon bah, il faudra que je fasse live si je me fais toucher, j'ai compris. Pas moyen de s'amuser un jour ici. Aïe! Mais bordel de merde! C'est pas possible! Est-ce qu'ils ont vraiment playtesté le machin? En mode, ouais, ouais, c'est legit, c'est comme ça qu'on prend une clé dans le jeu, ça va. Mais genre! Allez, au revoir. C'est pas facile. Mourir? C'est pas facile. Je sais peut-être ici au cas où que je n'aille pas dans le bon endroit. Étant donné que le jeu est un petit peu labyrinthe land. Ouais, c'est 200, c'est beaucoup. C'est beaucoup 200 points. Non, cette salle c'est de la merde, je le sais. Je m'en rappelle. Ah! Je suis pas mort! Je suis pas encore mort! Je suis pas encore mort! Putain, le truc il te touche en dehors de l'écran, il en a rien à foutre, t'es sorti, il te touche quand même, hein, c'est genre... Rien à battre, hein. Ce jeu est vraiment le pire jeu, quoi, c'est incroyable. Vraiment le pire jeu. Ah mais je m'en fous de que j'ai shield ou non, ça change pas grand chose à ma vie, bah voilà, ouais. M'étonne. J'aimerais bien réussir à en tuer un, j'aimerais bien qu'ils arrêtent de jouer un 2-3 soleil, mais en mode frénétique, quoi, tu vois. Ah, monsieur, c'est du harcèlement, tout ça. Yes, c'est bon, je suis content. Ah oui, il faudrait que j'aille jusqu'au Sika. Très compliqué d'aller jusqu'au Sika, je crois. Même avec la meilleure volonté du monde, je ne pense pas que je me rendrai à 6K. Bon, du coup, ça sert à rien de les tuer. J'aurais pas assez d'XP. Non, non, 6K, je le ferai en montant naturellement, avec en finissant un donjon. Ce sera très très bien. Donc, par là-bas, nous allons avoir accès à une merde, hein, sans doute. À l'objet du donjon, bien sûr. Oh, mais j'en ai marre de ça! C'est incroyable! Tu le rates une fois, il avance, mais en dessous de toi. C'est genre, tu peux pas, il n'y a pas de marge en mode. En mode, je respecte des distances, en mode, tac, tac, je me bats. Non, non, il vient dedans, quoi. C'est genre. C'est comme si dans OOT, les Stalfos, au lieu de rester, de tourner autour, ils te fonçaient dedans et que tu pouvais rien faire. C'est la même chose. C'est genre. Voilà. Esquive la balle, hein. C'est. C'est vraiment, le truc se voit sur toi. C'est impossible de l'esquiver, c'est genre... Fun game. Ah, mon nez me gratte, c'est terrible. Je suis désolé. Oh non, pas vous. Oh non, non, vous cassez, là. Non, mais quoi? Je suis pas d'accord avec ça, hein. Monsieur l'arbitre. Monsieur l'habite. Et voilà, alors ça, hein, ça pour le trouver, bonne chance. En plus, t'es obligé d'y aller parce que c'est pour ton item. Et tu peux pas continuer le jeu tant que t'as pas la flûte, qui est l'item de ce donjon. Il est vers le bas, j'ai deux clés, mais il faudrait que j'aille chercher la clé qu'il y a là-bas, je crois. Surtout que j'ai des safe states, donc bon, rendu là, je m'en fous un peu. Pourquoi si je prends la flûte et que j'ai cherché la clé magique, comme ce que je voulais faire à la base, ben j'aurais pas du tout besoin de cette clé, en fait. Ouais, non, on va pas aller la chercher. Je vais être rebelle, je vais chercher la clé magique d'abord. Je vais être très rebelle.
Donc ces ennemis-là, je les appelle les Félindras, parce que c'est des têtes de tigre, et ça me fait rire. Allez, c'est encore un ennemi comme ça qui bloque la voie. Allez, ça se fait quitte, hein. J'ai la flûte. I dead. On va save. On va reset. Encore, hein. Et on va aller pleurer. Nous allons aller pleurer. Et là, vous trouviez les jeux compliqués. Jusqu'ici, n'est-ce pas? Dites-moi que oui. Eh bien, je vais vous montrer que le jeu est très très simple. Était très très simple jusqu'ici. Je vais vous montrer que le jeu était très facile. Vraiment, vraiment facile. C'est très facile, ça. Hein. Ce qu'on vient de faire, c'est très facile. Vous allez voir un passage compliqué dans le jeu. Arrête les rencontres, bordel. J'ai plutôt envie de décéder. Les effets sonores, là, le... La limite PTSD, quoi. Je l'entends, je fais des cauchemars, je pense. Donc là, voilà, vous allez voir, hein. Il y a un New Game Plus dans le jeu en fait. Quand tu finis le jeu une première fois. Oh, ça sert à rien, je me restaure ma vie, mais le jeu s'en bat les couilles, mais d'une force. Ah, je l'ai fait pour rien. Alors là, par contre, il y a moyen d'arnaquer. Il y a moyen d'arnaquer le premier écran qui est ici sur ce chemin. Et vu la gueule de l'écran, croyez-moi que je veux ne pas l'avoir. Je veux vraiment ne pas l'avoir. Non! Oh non, 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 non. Je vous le montrerai après, il y en a trois comme ça. T'inquiétez pas, vous aurez pas le temps de vous lasser. Voilà. J'ai passé le premier écran. Attention, vous êtes prêts? Êtes-vous prêts? Êtes-vous prêt à découvrir un passage voilà. Regardez bien. Il faut éviter ces pierres. Ok, c'est bon. Vous en prendrez un petit pour la route, non? Allez, 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 un petit écran là. Avec un ennemi en plus. Bordel. Ouais, Duncan sur... Non! C'est bon, c'est pas un écran du cimetière. Tout va bien, je mourrais sinon. Alors, là-bas en bas, vous voyez en bas à gauche où ça devient tout brun, tout moche? C'est la fin du jeu. On ne peut pas y aller tout de suite, étant donné qu'on est dans Zelda, il faut que je fasse tous les donjons avant d'aller là-bas. Mais ces écrans-là, vous les verrez pas aujourd'hui, mais c'est vraiment les pires écrans de tout le jeu. Parce que si vous trouvez que ce qu'on a traversé était dégueulasse, les écrans qu'il y a là-bas, oh, vous les avez pas vus, hein. Ils sont incroyables. Non, pas de grosse rencontre. Non. Non. Non, 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 non. I don't want... C'est bon, tout va bien. J'ai encore une vie. Ferry, ça coûte pas trop cher, on va l'utiliser. Voilà, Ferry, c'est un peu le cheat. Un peu le cheat code du plaisir.
Malheureusement, il dort juste un écran. Ça va, ils sont un peu débiles. Et là... Voilà. Là, il y a une ville cachée, il faut la trouver. Hein. Elle est dans les arbres, sinon. Donc là, cette dame va me donner le dernier conteneur de magie. Il faut les trois autres pour l'avoir. Lady! Je viens d'avoir toute la magie. J'ai toute la magie, Lady. Je suis un fort magicien maintenant, je vais pouvoir faire des sorts, les faire. J'espère que ton stream s'est bien passé, j'espère que ça a été la citadelle. Salutations à votre belle gang, bien sûr. Je pense que c'est ça qu'il faut dire. Ça s'est bien passé, cool. Ah là, il faut aller dans la cheminée, bien évidemment, la cheminée cachée. Un cliffhanger. Ouh, un cliffhanger. Incroyable. Bah, souviens-toi du mot magique. Et nous obtenons le spell. Spell. Qui sert à une chose dans tout le jeu. 2 semaines, c'est pire que House of the Dragon. C'est dans 2 semaines, la suite. C'est dans 2 semaines, mais c'est terrible. C'est terrifiant, ça. 2 semaines, c'est dans longtemps. C'est dans longtemps, Lady. Voilà, il sert ici. Voilà, vous voyez ici, il n'y a rien. On va utiliser spell. Voilà, et tel un pénis en érection, eh bien, cette structure apparaît. Voilà. Et cette structure contient la clé magique. Donc maintenant, je n'ai plus besoin de clé. J'ai des clés à l'infini. Je suis content. Donc je pourrais limite tenter le donjon 6 qui est sur le chemin. Mais j'ai plus de vie quasiment. Donc ça ne va sûrement pas bien se passer. Oh ouais. Donc on a fait les donjons 3 et 4. Là, le 5, on l'a laissé de côté, on a juste été prendre l'item, on est reparti. Et là, on peut accéder au 6. Et j'hésite à faire le 6 déjà maintenant. Parce que le 6 est assez complexe. Mais le 6 est vraiment light comparé à... Non, mais vraiment, la lance dans le cul, hein. Quel jeu de merde. Pardon. En même temps, quelle idée aussi de sortir sans shield. Voilà. Le seul sort qui me permet de pas me faire one-shot par le jeu, quoi. Mais j'aimerais avoir le dernier réceptacle de cœur avant de mourir, si possible. Alors là, par contre, tu vas ferry direct, hein. Attends. Au revoir, au revoir, au revoir, les ennemis. Allez, il faut traverser cette forêt maléfique. Un écran surprise, je m'y attendais pas. Ok, ça va. Voilà. Tous les cœurs. Voilà, il faut jouer de la flûte entre les trois pierres. Et là, vous avez accès au donjon 6. Donc le donjon 6... Donc le donjon 6, il a un concept incroyable, c'est qu'il n'y a aucune clé dedans, mais il n'y a que des locks. Donc ça veut dire que la clé magique, qui dans Zelda 1 est annexe, est obligatoire dans Zelda 2. Et vu ce qu'il faut faire pour la trouver, pas garanti que tout le monde la trouve. Croyez-moi, la soluce, elle doit bien être utilisée, hein.
Donc là, tout n'est que concentration. Oh, il était triche, il prenait trois coups à mourir, la chiantitude. Je suis un petit peu mal en point. Pas vous le cacher, là. Heureusement, ce trou est infini et je sais où je dois tomber pour avoir la magie. Ou pas. Au revoir. Bon, j'ai un peu plus de vie. Je pense que là, il n'y a que... Ah, si, 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 c'est là que je dois aller. Donc là, on a l'objet du donjon. Saute! Con! J'ai fait shield, le jeu de merde. J'ai même pas l'objet. C'est pas grave. J'aurais dû save state. J'aurais clairement dû save state. On va sauvegarder. Donc bon, Donjon 6, ce sera une mission pour moi du futur, je pense. On va déjà tenter de finir le 5. Enfin, déjà pas mal, hein. J'ai l'item. En plus, j'ai l'item. Donc j'ai clairement fait le plus dur. Parce que l'item est très loin dans le donjon. Le boss n'est pas très loin dans le donjon encore, ça va. C'est plus loin par contre que le donjon 4, mais c'est pas si pire. J'espère juste ne pas tomber sur un écran où il y a des araignées qui vont me tuer en un coup là, parce que... Ça là, au pire, hein, save state... la save state est prête. Hein. Non, la save state est prête, j'ai dit. J'ai dit que la save state était prête, hein. J'ai dit que la save state était prête, j'en ai rien à foutre. Ah, je suis pas mort? Ah oui, je me fais plus one shot vu que j'ai 8 réceptacles. Je peux encore sur... Le jeu me permet une survie. Alors ça, c'est très intéressant. Le jeu me permet une survie. Si j'ai 8 PV, si j'ai 8 coeurs, sans le shield. Donc je peux tanker un dommage, en fait. C'est incroyable. Puis en vrai, c'est vrai qu'au début du donjon, il y a une magie. Le jeu donne de la magie, donc autant prendre des sorts. Si je tombe sur un écran comme ça. Je vais pas m'en taper, hein, c'est ça? Ah non, pas d'écran. Pas de combat. Je suis content. Ils auraient dû faire ça dans les FF. Indiquer des icônes sur les... sur la world map, ça aurait été incroyable. Allez, c'est parti pour le donjon 5. Je suis sûr qu'il vous avait manqué. Alors on fait une sauvegarde. On fait une sauvegarde parce que là je ne peux plus. Et Jésus, ouais, grâce au bot magique, lady. Bot magique. Donc j'étais chercher la clé magique pour une excellente raison. C'est pour ne pas avoir à faire 10 000 détours dans ce donjon et juste aller vers le boss direct. Donc on va en profiter, on va essayer de ne pas prendre de détours qui servent à rien, n'est-ce pas le jeu? Et il faut dans le même temps que j'ai au moins 800 points d'expérience. Pour pouvoir passer le palier et pouvoir prendre mon Magic 8. J'aurais aimé... J'aurais préféré attaque, entre nous. Mais bon, ainsi va la vie. Hein. Je ne prendrai pas ce sac d'XP, ce n'est pas grave. J'ai confiance en les mobs sur le chemin. En vrai, je pourrais tellement mourir pour rien. Donne-moi un shield, on sait jamais. Donc là, il doit bien protéger le shield en plus. Effectivement, il protège. Il protège. Il protège. Il m'a enlevé la moitié de ma vie, quoi. Ça va, le jeu, quand tu prends la vie, il devient moins dur. Esquive la balle! Ouais, c'est ça. Ouais. Spawn sur moi, je te dirai rien, l'ennemi. Hein. Je l'ai vu en plus. Hein. Ce jeu n'a pas le temps. Je sais pas ce qu'ils ont avec les timings de ce jeu là, mais c'est incroyable. C'est genre. T'es pas réflexe man, tu réussis jamais hein, dans ce jeu, c'est incroyable.
Au revoir. Je save stage, je save stage, j'ai la con. J'ai pas confiance en ces écrans. Oh. Alors là, on va bien attendre gentiment. Voilà, on va passer. Voilà, on passe en dessous du merdier. Alors j'espère que lui, là, qui fait des flammes... C'est bon. Les flammes traversent les briques, mais pas toutes, hein, vous remarquerez. Des flammes qui font ce qu'elles veulent. Spell, il sert à transformer certains mobs en bits. En blob, hein, bien sûr. Oh, qu'est-ce que vous allez penser encore? En blob blanc. En blob bleu, pardon. Blob blanc, oui, aussi. Comme ça, là. Pas le temps, j'ai pas le temps. Mon esprit est ailleurs. Bon, là, on va aller à gauche. Gauche. J'ai les clés, je m'en fous. J'ai les clés infinies, voilà. J'ai les clés infinies, je m'en fous. Gauche. Vous allez voir le boss, il est trop bien. Là, on va en haut. Voilà, et là, je suis à un écran du boss. Déjà. Ça va vite. Va-t'en! Ah d'accord, je suis donc condamné. Je suis condamné à me la prendre, bah GG, hein. Bah GG, bah ouais, hein, bah ouais. Je suis condamné à me prendre, à me la prendre dans le cul, quoi, genre, bravo. Génial, grand jeu en tout cas. Oh non, non, pas vous. Vous là, vous dégagez, mais si vous pouvez dégager, ça me va. Hein. Vous aussi là, vous dégagez, franchement là. Partez. Immédiatement, vous partez. Bon. Un petit life, deux petits life, ça me soigne? Non! Génial! Il me reste encore une vie, tout va bien. Donc si jamais je fais une safe state, hein, je m'en fous. Alors ce boss-là, je sais comment on le bat. Je l'ai fait tout à l'heure. C'est un boss assez, assez complexe, je vous le cache pas. Parce que t'as une allonge de cul, voilà, voilà, t'as une allonge de merde dans ce jeu de merde. Et voilà, les mots sont dits, les mots sont placés, t'as une allonge incroyable. Attaque! En fait, c'est l'équivalent du chevalier au fléau de Zelda 3. Vous voyez, c'est le même. Ah oui, t'as vraiment un cure-dent dans le jeu, c'est abusé. Hein. C'est vraiment abusé de le cure-dent que t'as. Hein. Enfin bon, Ocean Palace, c'est fait. Et je l'ai fait sans save state! Incroyable! C'est legit! Allez! Plus de magie encore. Bon, ça change pas grand chose à ma vie sur certains sorts par contre. Je vais quand même tenter de le faire sans me faire toucher pour un rétro achievement, hein, vous me connaissez. Le e-pénis, les RA, voilà, tout ça, tout ça. Donc on va recharger une safe state. Là, comme je l'ai dit, je peux finir le jeu avec safe state, je m'en fous pour les trophées. Du moment que j'ai un petit badge qui me montre que je l'ai complété, comme ça Adès Rajaou, il va vouloir faire comme moi, je le connais. Petit coquin. En vrai, il est pas très dur, c'est juste que parfois tu peux te faire surprendre. Et si t'avais une épée respectable, ça irait vraiment, quoi. Mais là... Oui, il est pas si dur que ça, ça va. Voilà. Gooma! Gooma est bestie. Bon, là, on va faire ça. On va faire ça quand même, hein, voilà.
J'avais oublié que le donjon devenait la pierre quand je sortais. Je peux pas farmer. Je me suis fait enculer. 6000 points d'XP, 6000 points d'XP, ta ta ta. Non, non, il faudrait que j'aille. Il faut que j'aille dans des écrans où j'ai beaucoup d'XP. C'est où qu'il y a beaucoup d'XP dans le jeu à part le donjon suivant? Il faut 2000 points d'expérience là, sinon je vais vraiment pas être content. Non, pas les araignées de mer. Non, non, je save state, je m'en fous. Là, 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 save state, elle va. Là, là, je vais save state, là, je te le dis. Hein. Là, j'ai survécu à ça, là. Les araignées, là, j'en peux plus. Hein. Lady, est-ce que t'avais vu un écran des Kaiasman? Je pense pas que t'avais vu l'écran des Kaiasman, hein. T'étais encore en stream. Hein. Regardez bien cet écran. Regardez. Donc voilà, il faut que je passe ici. Et que je fasse ça sans que je passe ça sans me faire toucher, voilà. Voilà, voilà. Voilà, félicitations, hein. Ils sont beaux, hein. Ils sont sneaky. T'as vu comme ils sont sneaky? Allez, y'en a un là. C'est pas grave, c'est dans la tête la douleur. En vrai, je pourrais vous montrer un écran de. Vu qu'on est en safe state, je pourrais vous montrer un écran de la fin du jeu. Je passerai pas par ça par contre. Je vais vous montrer un écran là, pour que vous pleuriez en fait. Juste pour vous faire pleurer. Alors ça, c'était une chance inespérée en vrai. Je vais pas l'avoir deux fois celle-là. Donc regardez bien un écran de fin de jeu. Voilà, voilà la fin du jeu. Voilà. Voilà, voilà. Vous faites toucher par des choses invisibles. C'est vraiment génial. Mais c'est parce que je n'ai pas l'item du donjon 6, les dinosaures, c'est pour ça. Par des fantômes. Mais il me faut... Si je n'ai pas l'objet du donjon 6, en fait, les fantômes, je ne les vois pas. Parce que c'est bien connu, la croix, ça permet de voir les fantômes, hein, bien sûr. Évidemment. Évidemment. Je sais pas s'il fait un seul écran, ce truc-là. Ouais, je vais le prendre. Hein. Parce que c'est pareil, si je vais à la ville qui est là-bas à gauche, je me fais toucher par des trucs invisibles. C'est les fantômes qui me touchent, en fait. C'est la même chose. Et en plus, le donjon disparaît, bah oui. Le donjon, il a une conscience. Il repart sous le sable si jamais il se fait repérer. Ça tient pas en place, un donjon! Comme dirait l'autre. Non, non, j'ai pas toute ma vie, là. Je suis pas très content de pas avoir toute ma vie, là, par contre. C'est mieux. Le pouvoir de la religion! Ah, le pouvoir de la censure. Bon, j'espère avoir au moins 2000 points d'expérience dans le donjon, hein. Sinon je vais le regretter amèrement. Du coup, on va prendre tous les sacs d'XP qu'on veut. Je m'en fous. Oh non, pas vous! Alors, c'est beaucoup moins le marathon pour les tuer, vu qu'on a quand même des belles stats. Non, mais Zidane, non, ne viens pas! En plus, il va me falloir la croix, hein. Je viens de penser à ça. Il va me falloir l'objet du donjon. Justement, j'en parlais, il va me le falloir. Va dérit... Non ! Dérétro, Satanas ! C'est pas mal ça, Link, tu passes à travers les ennemis maintenant. Alors que les fois d'avant, ça avait pas de problème. Je m'étonnerai toujours. Ah. Je pensais que je l'avais tué. Mais il a combien de vie?
Je suis niveau... Ah oui, je suis niveau 7 d'attaque, je suis pas 8, c'est vrai. C'est pour ça qu'ils ont... ils sont quand même un peu résistants. C'est justement ce que je cherche à faire, c'est d'avoir 8 d'attaque, con. Non, cette pièce-là, en fait, j'ai pas envie de la faire. Ah là là. Lequel est le plus handique? Lequel? Le squelette ou Link? Lequel a été le plus con sur cette séquence? Je dirais que c'était Link, hein, parce qu'il s'est fait toucher. Je save state après chaque ennemi. Et en vrai, je m'en fous totalement. En fait, c'est vraiment trop trop dur. Nanana, nanana, nanana. Ah, attention, ne sois pas con, Link. Bravo, Link! Applaudissements. Applaudissements pour toi. Bon, j'ai juste 370 de... à l'entrée du donjon. Ça commence mal, j'ai envie de dire. J'espère qu'il y aura plus de choses après. Bon, je crains le pire. Oh, y'a vous. Y'a vous! En vrai, vas-y. Pas beaucoup d'XP, faut que j'en profite. Hein. Oh non, pas toi! C'est bon. Mais il me faudra de la magie. Non! Pas toi! Non! Non, pas toi! Oh non! Bon, tu t'es calmé? Combien de vie as-tu? Voilà, trop, visiblement. Trop était la bonne réponse. Je suis tombé, hein. Je tombe encore, hein. Ah, ah, pas mal, j'étais dans le HUD. Désolé pour les clignotements à l'écran, by the way. C'est bon. Bien wesh. Bien wesh, Link. En vrai, bien wesh. En vrai, bien wesh. Souvenez de ces écrans-là. Hein. Dans le donjon 2, ils étaient un peu plus serrés d'ailleurs dans le donjon 2. Ils ont été soft. Ouais, toi, il faut que tu crèves. Si tu ne crèves pas, je vais très mal dormir. Non, c'est vrai, ça? Oh, no. Non, ne reviens pas! Non! Il y a lui qui m'a touché derrière. Non, non, c'est trop dur, c'est trop dur. C'est trop dur. Casse-toi. Et bien wesh. Ah. Ok, 14 points de vie quand même, à la connerie. Et pourquoi là j'arrive à l'enchaîner alors que tout à l'heure je pouvais pas, alors que c'est la même situation qui s'est passée? Zelda 2 est une énigme quand même parfois. Ce jeu est une énigme. En vrai, il faudrait que je... Oh, j'ai réussi. Bon, bah du coup, je vais faire ça. Et hop là. Alors en vrai, si tu n'as pas jump ici, c'est quasiment impossible. Il faut le savoir. Il y a beaucoup de secrets fourbes dans le jeu. Hein. Voilà, là, j'ai fait un grand saut. Pourquoi? Parce que, en fait, là, il y a un trou invisible. Évidemment. Et si tu es obligé de passer là. Et le trou est vraiment au milieu de nulle part. La seule façon de le savoir, c'est de compter les piliers à peu près. Et encore, c'est pas gagné. Allez, un petit mini-boss. Je suis sûr que ça vous fait plaisir, un petit mini-boss. Un petit mini-boss là. Un petit boss là du donjon 3 qu'on se retape là. Au cas où qu'on l'ait pas eu la dernière fois.
GG. Ok, nous y sommes. Dommage. Quel enfer! Et je pèse mes mots. Hein. Vraiment, quel enfer! La creux! Pardon. Alors, je suis pas très bien niveau vie. Comment vous dire? On doit se laisser tomber. Un peu pas le choix. J'espère avoir assez d'XP. Niveau magie, ça va encore. Oh bah parfait. Excellent. Bah voilà, voilà ce qu'il me fallait. Du bol. Ah. Peut-être 1800 là. Qu'est-ce qui se passe? Peut-être 1900 là. Je vais l'avoir mon niveau. Je vais l'avoir mon niveau d'attaque. Je vais l'avoir, je vais être heureux, je vous le dis. Non, le bonheur était si accessible. J'ai tellement rêvé. Je vais l'avoir, je vais l'avoir. C'est bon, je suis le plus fort. Cassez-vous. Maintenant, je vais pouvoir taper les ennemis méga, méga fort. Bon, en vrai, on va prendre le peu de magie que ça me coûte. Faudrait que je finisse le donjon pour un bien. Avec ces stats là. J'espère que le bruit vous fait pas trop chier d'ailleurs. Cordialement. Pas de chance. Casse-toi. Casse-toi. Tout va bien. Vous savez ce qu'on dit, hein. Oh. Là, ça, c'est un cul-de-sac. Ça, je le sais. Ça va que je connais là, les cartes des donjons. Hein. Vraiment. Vraiment, ça sert. Hein. Mais vous allez en mettre un à chaque coin de mur, rendu là, le jeu? Arrêtez, hein. Arrêtez de faire ça, hein. Pas très bien, hein. Oh non, oh non, pas vous. Ça va, y'en a pas. Mais va-t'en. Va-t'en. Bon, il faut que je passe 800 points d'expérience pour avoir mon niveau de magie, c'est vrai que c'est pas gagné. Donc là, il va falloir que je prenne un Fairy. Passer un écran incroyable. Vous voulez pas me donner une fiole de magie, sinon ça vous tente pas? D'aider, genre.
Ben voilà! Il suffisait de le demander! Truc à chier du sang, à chier une flamme à côté de... à travers le mur. Hein. Allez, vous prendrez bien un mini-boss? C'est vos préférés! Non, 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 non. Je save state. Le save state, je m'en fous. Tellement exceptionnel ce qui s'est passé. Il s'arrête jamais de tirer, c'est incroyable. Hein. Je peux en placer une, merci. Je m'en fous des clés, j'en ai à l'infini. Tu veux pas me donner de... Tu veux pas juste me donner, surtout qu'il n'y a pas de porte. Tu veux pas juste me donner de la magie pour me récompenser le jeu? Es-tu vraiment une pute à ce point-là? Oh non, non, non! Non, je l'ai vu! Je l'ai vu, je l'ai vu! Ouais, mais je vais prendre 800 points. Parce que si je fais ça, toute ma vie remonte, mais faut que j'aille jusque 1005. Et là, mon magie... Ah, en plus, ça compte même pas! LOL! Va te faire foutre, hein. Va te faire mettre... Ta-ta... Ta-ta... Na-na-na... Eh, viens, là... Ça va le spam? Je cancel, donc voilà, 6000. Il y en a deux au cas où... Non! Il y en a deux au cas où que t'es esquivé le premier par miracle. Ah bah voilà. Vous allez rester là-dedans, là, tous les deux. Une vie! Ça y est, je vais pas mourir! Et là, je vous présente la pièce de Reflexoman. Pourquoi elle s'appelle Reflexoman? Parce que il faut devenir fée ici. Voilà. Si tu le sais pas, tant pis pour toi. En fait. Tant pis pour toi. On m'en fout. Tu sais pas. Rien à foutre. Tu saches pas. Et on arrive au boss. Yes. Bon, je vais mourir sans doute. Donc moi, j'ai une technique pour ce boss, c'est de me mettre là. Voilà. C'est ma technique. Vous en faites ce que vous voulez, c'est un boss extrêmement facile à battre d'ailleurs. Je sais pas pourquoi. Parce que vous pouvez même survivre à son lancer de flammes comme ça, voilà. Non, c'était une boucle, un détour. Enfin, c'était une boucle. Tu revenais en arrière en fait. Tu ne pouvais pas finir le donjon, tu es obligé de venir ici pour finir le donjon. Voilà qui est incroyable. Je viens d'avoir l'achievement de faire le premier boss sans me faire toucher. Genre... c'était genre concept en fait. On va être magie 8. Yes. Non. Oh non, il fallait que j'aille chercher le sort de Thunder. J'ai oublié qu'il fallait que j'aille chercher Thunder. Non. Bon, on recommence, rien à foutre. On refait le boss. On recommence tout. J'ai oublié d'aller voir, d'aller chercher le dernier sort du jeu. Aïe, 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 aïe. Thank you.
monde d'ailleurs. Ah non, tu te le prends, ok. Je pensais qu'il visait pas en dessous de son corps, mais si. Au pire, je pourrais faire un play un peu plus agressif. Hein. Voilà. Je me demande pourquoi ici mais pas dans son shuffle, franchement. Super bien. Ah d'accord, pas mal. Pas mal celui-là, pas mal. Il reste là. Bon, on va chercher la croix. Enfin, le sort de Thunder, du coup. Et pour faire cela, il faut passer ici. Et grâce à la croix, nous allons voir les terribles monstres qui étaient également dans ce village. Les voilà, les monstres. Voilà ce qu'on pouvait pas voir sans la croix. Voilà, on a le sort le plus puissant du jeu, qui est Thunder, qui est obligatoire pour battre le boss final d'ailleurs. Si vous n'avez pas Thunder, vous ne pouvez juste pas battre le boss final. Et beaucoup de trucs de merde hein, dans le jeu quand même, il faudrait s'inquiéter à un moment donné. Sauvegarde. Je reset. Et allons-nous terminer le jeu ce soir ? Allons-nous tenter de terminer cette immonde chose? Ou est-ce qu'on en reste là et on est content? Et la fin du jeu, c'est plus tard. Parce que la fin du jeu, le dernier acte, il est incroyable. Donc il est déjà 22h30 quand même. Donc je vous laisse juger. Est-ce que vous voulez qu'on termine le jeu une autre fois? Avec peut-être d'autres personnes qui seraient là pour le voir, telles que Adenos. C'est marrant, c'est un effet d'optique, j'ai l'impression que l'effet descend quand il avance de colonne en colonne. J'ai l'impression que le truc descend. J'ai l'impression qu'il ne va pas droit, j'ai l'impression qu'il descend. Marrant, hein? Marrant, les effets d'optique. Parce que je peux vous montrer le chemin. Je peux essayer le chemin et je peux dire oh non, non, je ne le ferai pas aujourd'hui. Ça suffit. Pire, je peux faire ça. Je peux voir le chemin que ça donne. Et si j'y suis rendu, j'y serai rendu et ça va être incroyable. Non, pas les araignées. Non. Les araignées de merde. Non. Les araignées. Non, je ne le ferai pas. Je ne ferai pas les araignées. Non. Les araignées. Non, 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 non. Ça compte un écran de désert, le jeu qui est de la merde. Il y a une taille de désert ici. Parce qu'il faut... Pour aller vers la fin du jeu, il faut déjà retraverser ces écrans-là. Il faut déjà le faire. Il faut déjà traverser ces écrans-là. Il faut déjà y arriver. Voilà, voilà, voilà. Non, je le ferai pas. Non, non, je le ferai pas. Je vais me laisser crever. Genre, jusqu'où je vais sans crever, là, juste. Je suis quand même curieux. Putain. Ils ont des caillasses, hein. Je prends, je tank. Non, pas l'écran du cimetière. Non. Oh bah là. J'y suis même pas arrivé.
Eh, c'est déjà beaucoup ce que j'ai fait aujourd'hui. Je pense qu'effectivement, on va en rester là. On sera très heureux. On est très heureux. On a fait 4 donjons aujourd'hui. Je pense que c'est très bien. La fin du jeu, là, le dernier acte, il attendra plus tard. Voilà. YouTube, ne loupe pas ça. Je vais essayer, pour le dernier donjon, de faire sans save state. Essayer. Sans save state. Attention.